il était vraiment très spectaculaire dans ses sorties aériennes, dans ses prises de balles, même dans son jeu au pied, dans tout ce qu'il pouvait faire, c'était vraiment très très impressionnant. La main m'a beaucoup inspiré. Dans les tenues tout d'abord, Steve Mandanda a un goût très prononcé pour les maillots tendance fluo. Dans la morphologie ensuite, quasiment la même taille, Mandanda c'est du costaud, 1m85 pour 82 kg. Enfin dans le jeu, avec ce même côté félin et cette même vivacité dans les déplacements. Ça doit faire deux, trois ans que j'ai commencé à entendre parler de lui. Et à chaque fois qu'on m'en parle, on parle en bien déjà. Et puis on me parle des similitudes qu'il y a entre son jeu et le mien. Il s'en sort bien, dans un contexte pas forcément évident. Et c'est là aussi qu'on voit les grands gardiens. Quoi. Et comme son idole, Steve Mandanda possède une grosse force de caractère et une sérénité à toute épreuve. Il y a 5 mois encore, il gardait la cage de son club formateur du Havre en Ligue 2. Aujourd'hui, il est titulaire à l'OM avec une assurance impressionnante pour son âge. Gardien de but ou joueur de l'OM, oui, il faut avoir les épaules très très larges. La pression me fait avancer, j'aime bien parce que quand il y a du monde dans les stades, quand il y a un match en jeu, quand ça va pas très bien et qu'il faut répondre présent, j'aime bien. Il y avait de l'appréhension tout de même le 25 août dernier pour ses débuts avec l'OM à Caen, sous les yeux de son petit frère. Riffi, 15 ans, est pensionnaire du centre de formation du Stade Malherbe. Lui aussi enfile les gants car dans la famille Mandanda, il y a 4 garçons et tous sont gardiens de but. Ma mère avait 2 frères, je crois, qui étaient gardiens de but au Congo. Et je pense que ça vient de là. Parfait, voilà le deuxième frère. Il a 18 ans, il garde les buts de la CFA des Girondins de Bordeaux. Son modèle, c'est évidemment son grand frère. Je sais qu'il a un bon jeu au pied, qu'il a travaillé beaucoup et j'espère avoir le même. C'est plus qu'un grand frère alors, hein ? Pour moi, c'est mon idole. Et puis il y a le tout petit qui est encore chez mes parents à Paris, qui joue à Lusitanos. Et pour l'instant, il va rester à l'école et jouer dans son petit club tranquillement. Le grand frère est aujourd'hui la meilleure recrue de l'OM. Mais paradoxalement, il a encaissé au minimum un but par match en championnat. 6 rencontres de Ligue 1, 9 buts encaissés et une place de relégable. Il faut que ça change. On est dos au mur maintenant. Il va falloir relever et puis aller gagner les matchs et c'est tout. Parce que on le sait en venant ici qu'il y a la pression. On le sait qu'on doit gagner les matchs. Tout ça, on le sait. Donc avant de signer ici, on nous avait prévenu. On le savait. Donc quand on arrive ici, on doit tout donner et tout faire pour que l'équipe marche le mieux possible. Quoi. Votre chanson préférée? Corneille, seul au monde. On dit souvent que j'ai l'air d'avoir tout pour moi, mais c'est sans le savoir. Les fantômes qui me hantent, les réquiems que je chante. Je joue jour par jour qui passe. Allez, c'est bon.